Villa de la Roca, quartier des étrangers, Ajaccio. Voilà notre nouvelle adresse depuis 2 semaines. Henri ! Amélie et moi comprenons maintenant le nom du quartier. Notre maison est entourée d'hôtels et de villas récents où habitent des Anglais, Mr. Matches, des Suisses, des Allemands. Tous viennent profiter du soleil en hiver, le doux hiver ajaccien. Notre appartement est inondé de lumière, le lieu idéal pour mon atelier. Et il y a mieux encore. Quelques marches, je sors de la tourelle, j'arrive sur la terrasse et face à moi, la Méditerranée. Ici, je peins la mer. Bleu, bleu, si, tellement bleu qu'on en mangerait. Autour de nous, plein de jardins, de vergers, une grande oliveraie et la campagne. J'y ai découvert les eucalyptus, les palmiers, les cactus, les aloès, les agaves, le figuier de Barbarie et le bleu du golfe d'Ajaccio en fond de paysage. Cette lumière et cette nature m'inspirent. Voilà ce que je veux peindre. À Ajaccio, mes journées sont rythmées par le spectacle des départs et des arrivées des bateaux. Les promenades vers la chapelle des Grecs ou en calèche vers les sanguinaires. Les distractions de la ville, les concerts de la fanfare municipale au kiosque de la place du Diamant. Ah, le grand café Napoléon. Voilà la table où j'écris à ma fille et à mes amis peintres. Quant à mes amis corses, je les retrouve pour prendre l'apéritif et je fume avec eux un de ces petits cigares corsés du pays. Mais finalement, ce qui m'absorbe tout entier, c'est la peinture. Je ne peux pas échapper à la lumière du sud, à la vue sur le Monte d'Or enneigé et aux éclairages changeants. La lumière métamorphose les couleurs et les formes. Le vert de l'herbe n'est pas le même à l'ombre et au soleil. La peinture doit montrer tout cela. Il faut que la peinture serve à autre chose qu'à la peinture. Je suis convaincu qu'elle doit traduire des émotions et des sensations. C'est ce que j'essaie de faire à travers mes toiles. Regard sur un monde qui se pare de mes couleurs. La couleur ne nous a pas été donnée pour imiter la nature. Elle nous a été donnée pour que nous puissions exprimer nos émotions. Henri Matisse.